Le camping de Pascal, c'est une affaire de famille. Il y a quelques années, elle a pris la suite de son père dans cet établissement à l'ancienne qui compte 350 places. Pas question ici d'avoir la folie des grandeurs, on privilégie la simplicité. On a voulu garder cet esprit très convivial et j'ai des clients qui viennent depuis des années, hein, depuis 30 ans, 40 ans, qui reviennent chaque année et ils ont l'impression d'être vraiment dans leur maison de campagne, quoi. Si la saison démarre doucement chez Pascal, à quelques centaines de mètres de là, dans un camping 4 étoiles, les touristes sont déjà nombreux. Une capacité d'hébergement de plus de 2000 personnes, 70 employés et des animations quotidiennes. L'établissement est l'un des fleurons du secteur. So this is the bracelet for the activities and for the swimming pool. Okay. And, en Corse, l'hôtellerie de plein air est un poids lourd de l'industrie touristique. Avec 210 établissements, elle représente 40% de l'hébergement, soit 4,3 millions de nuitées en 2017. Un succès qui semble s'inscrire dans la durée. Dans notre type de structure, c'est-à-dire les campings 3 étoiles et plus, on a une constante évolution et une évolution positive en termes de fréquentation, qui n'est pas due à l'augmentation du nombre, de la capacité de nos structures, mais bien à l'effort d'équipement que nous avons fait. Il y a un besoin de convivialité, mais aujourd'hui accompagné d'une demande forte d'équipement et de confort. S'adapter aux attentes des vacanciers, un besoin vital pour les professionnels du secteur qui doivent aujourd'hui faire face à la concurrence de la location entre particuliers.